Ouais, Mich. Bon, tu voulais raconter quoi sur ce fameux train? Ce fameux train. Bah viens, déjà on va marcher tranquillement et je vous Ouais. raconte ce qui t'arrange en ce moment. En fait, dans ce train-là, Ouais. c'était en 1740. Ouais. Il était posé là. Ouais. Moi je suis venu tout seul comme ça, je voulais visiter. Et là, viens, avance. Et là, style. Tu sais c'était qui? Aïe. Tu sais c'était le train pour aller où, gros? Non. À Gryffondor. Gryffondor. Le train de Harry Potter? Ouais, gros, la vue droit, moi. Mais t'es Là. sûr? Ouais, gros, et tu sais c'est qui? Tu sais qui il y avait dans le train et c'est qui l'a niqué, gros? Non? Voldemort. T'es sérieux? Ça veut dire qu'on est dans le train? Voldemort. Et il s'est pas battu contre Harry. Harry, il était déjà mort à cette époque-là. Mais qui c'est qui l'a vaincu alors, Voldemort? C'est moi, gros. Mais c'est... Mais Mich! C'est Mémiche. Mémiche. Parce que quand je suis arrivé, Voldemort était caché dans là-bas, là. Ouais? Viens voir, viens, Vas-y. chill. Vas-y, on va voir. Parce que toute la scène, je vais faire des petites scènes et tout. Viens voir. Ça, c'est Voldemort, il l'a détruit en me touchant. J'ai volé comme ça avec la baguette. C'est Viens, viens voir. Parce que déjà, tu vois l'Odèle. L'Odèle, c'est que je l'ai vu là. Il m'a fait rire. Après, il m'a tendu une baguette. Il voulait que je me tape avec lui. Mais non. Et moi j'avais un joint. Et il me fait comme ça. En mode, ouais, fais fumer. Je lui fais fumer. Et là, il est devenu fou. Il m'a prostitué comme ça avec sa baguette. Ça fait un rayon de soleil comme ça. J'ai fait paf! Après, je me suis levé comme ça tout en étant sans mots. Après, là, comme ça, je prends la baguette qui m'a lancé par terre. Et c'était la baguette à Harry Potter. Toute la force ça m'a donné, j'ai fait ça. Tch, tch, à Kingston Fish. Et après, il est mort. Bah non, après, je l'ai blessé, son nez. Il avait pas de nez, tu vois. Mais là, il n'y avait vraiment plus de nez. On voyait que ses sangs qui coulaient. Après, j'ai posé la baguette, je lui ai mis un coup de coude comme ça. Il a fait. Ah! Après, il voulait me planter avec sa baguette comme il y avait un mode couteau. Il voulait me planter, j'ai esquivé comme ça. C'est dommage, il est pas là parce que je l'aurais encore buté, tué ce bâtard. Je l'ai pris comme ça. Et là, je l'ai posé la tête là. Comme ça. Et j'ai que dégraissé grincement de tête. Après, j'ai pris un truc comme ça, je l'ai étranglé comme ça. Et une grosse patate pour la fin. Il était mort. Et après, il est mort. Putain. C'est-à-dire que J'ai fait mieux qu'Harry Potter. tu t'es battu ici, quoi. Ouais. En 1740. Ce train-là est abandonné depuis. Tout était niqué avec le combat, les vaisseaux qui collaient. Mais ça a duré au moins 15 minutes, hein. Bah écoute, Mimiche, ce que je propose, c'est que tu fasses voir tes endroits abandonnés, non? Pour faire des petites urbex. Parce que là, Arrête t'as... un truc de moi, là. Ok, bon bah vas-y. À 10 pouces bleus, on en refait une, hein. Non, 50. Ah, t'es chaud, t'as 50. 50, 50. Ok, ouais, 50. S'il y aura 50 pouces bleus, même s'il y a des pouces rouges, mais s'il y a 50 pouces bleus, la prochaine vidéo, ça sera où? Où? Non, Tu dis? je sais pas, Tu moi. sais pas? À Non? Dreux. Ah, wesh! À Dreux, carrément. Tu as Je sors flippé. plus de vidéos Mimi Sherbex avant qu'on n'ait pas à Dreux. Ok, ça marche. J'ai flippé et j'ai essayé pendant 1 minute d'être tout seul D'accord, dans ça un marche. endroit. Ça marche. Vas-y. Allez, 50 likes. Vous avez le temps qu'il vous faut. Et Mais ça, c'est un même de Dreux que je prononce. Ok, c'est parti.